Le procédé est simple. Il suffit de faire un trou dans une paroi d'un contenant et d'enregistrer l'image inversée de l'autre côté. Évidemment, les trous sont de l'ordre du dixième de millimètre. On peut utiliser n'importe quelle boîte. Par exemple ici, une boîte contenant une bouteille de whisky. Très rapidement, à la demande de ma femme, j'ai arrêté ce procédé. Et j'ai commencé à faire des sténopées sur des boîtes spécialisées pouvant contenir des films argentiques en format 24-36 ou, comme ici, en format 6-6. Voire un peu plus grand, en format 4-5 pouces, c'est-à-dire 10-13 cm. Bien entendu, on peut appliquer ce principe à la photo numérique. Ilan Wolf, maître du grand format, utilisait une camionnette pour prendre ses images. Hans Zischler est un poète tourné vers la nature.